vous avez. Et d'ailleurs, si vous avez une tisane, un thé, un peu d'eau chaude ou quelque chose, un petit peu un truc à boire, parce que là, on vient juste d'arriver, nous, en fait. Hein. Ça fait, Oui. moi, ça fait 6 jours que je suis en voyage. Donc, si je peux poser mes fesses autre chose que sur un bâton, ça serait pas mal. Et puis eux de leur côté, ils ont un petit peu, ils ont momentanément un petit côté un petit peu palot là. Tu sais pas, enfin vous doutez bien du pourquoi, mais c'est assez Ouais, subtil, bah, un petit hein. remontant, ça fera pas de mal. Un petit peu de sucre. Oui. Du coup, ils vous amènent à leur quartier qui se trouve à un point assez excentré par rapport au centre du camp, bizarrement. Ça sent les gens qu'on aime pas. C'est ça, c'est un peu ça. C'est beaucoup ça en fait. Genre, ils sont là. Ils sont, je, genre, ils sont à 30 mètres d'un des trois lieux d'aisance de la ville campant, c'est ça? C'est ça, Ils sont devant. pas loin d'un Ils sont devant en coin, plus. pas loin d'un coin qui visiblement sert de chiotte au reste du groupe. Oui, voilà. Et ils sont sous le vent en plus. C'est ça. Et du coup, ils vous amènent à l'intérieur de leur baraquement, du coup, de leur petit baraquement. Nous sommes envoyés par le duc Béroïne. Et donc, ils vous disent que ils ont reçu l'ordre de d'aider le Grand Melun à bâtir les fortifications nécessaires pour leur défense, mais si ils pouvaient également faire parvenir au camp ici le fait de renforcer les contrôles entre la route qui traverse le Grand Melun pour aller dans le Yelin, du côté du nord. La route fluviale qui va de Wall allant vers l'ouest, si du coup ils pouvaient renforcer les contrôles venant particulièrement du Forquet, de Forquet, parce qu'il Entre semblerait. Wall et Forquet, quoi. Ouais. Et allant du coup vers le Yelin. Considérant que certaines transactions n'étaient pas légales, voire douteuses, il y avait également des espions qui transitaient. Et du coup, pour dénoncer ce qui se faisait à Forquet, c'est-à-dire d'envoyer des espions dans les villes, du coup, c'était pas bien. Du coup, c'est ça qui vitait là au niveau de la table ronde, mais que c'était pas pour autant qu'ils n'appréciaient pas le Grand Melun. Hein. C'est juste qu'ils soupçonnent Forquet d'être pas bien, mais le reste tout va bien. Et d'ailleurs, ils sont totalement volontaires à aider le Grand Melun dans la défense de son territoire. C'est pour ça qu'ils sont venus aider. Donc il le répète au moins 3 ou 4 fois, avec des phrases différemment tournées. Ça me fait penser, j'ai oublié de dire qu'il y avait la duchesse Bidule qui se baladait à Forquet à ma cousine. Vous m'excusez, je m'absente un instant et je pars mais sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, je pars tellement vite que je finis à quatre pattes en courant. Je me mets à courir à quatre pattes en fait. Ouais, c'est ce qui Pour que ça aille va. vraiment vite. Ok. Du coup, les gens. Les gens sont Je surpris. traverse le. Je traverse le camp en criant place, place, place. Du coup, tout le monde s'écarte, surtout ceux qui bouchonnent au niveau de la tente, qui te voient arriver, et comme ils t'ont vu avec Tilly, ils connaissent un petit peu pour certains. Et du coup, te laissent passer. Donc, quand je suis à 1 mètre de la tente, je m'arrête, je me redresse, je mets poussette et je reprends un rythme d'une personne qui marche à la vitesse normale. Je rentre dans la tente, discrètement, machin, je me mets à côté de Tilly et je lui chuchote dans l'oreille. Juste un truc, je pense que tu es au courant, mais au cas où, il y a la duchesse Bidule qui est
à Fourquet et qui a rend visite au duc Bidule. C'est important. Tu vois qu'il avait fait un énorme soupir et regarde certaines personnes qui sont autour de la table. Oui. Effectivement, je suis au courant de cette histoire dont je me fous royalement. C'est pour ça que ces deux machins, je n'en veux plus. Cette femme, c'est la copine de l'homme du KE, c'est ça? Oui. Ok. Et là, je fais ok avec un yaé qui devient un peu plus fort et qui fait que les autres m'entendent dans la tente. Je tourne la tête, je fais désolé, je m'en vais. Et je redisparais. Du coup, pendant ce temps-là, Rusty, tu m'as ouais, fait du un... coup, je reste quand même très. Enfin, j'essaie de voir s'ils mentent, s'ils ont des informations ou pas. Donc, reste. Tu. Alors. Je fais un retour à quatre pattes à fond de train. Oui. Place. Mais avant que tu reviennes, du coup, Rusty, oui. Tu vas avoir un petit peu de temps avec eux. Quelques. Deux ou trois minutes. Et tu vas voir dans leurs yeux une. Comment dire? Deux choses. D'un côté. T'as fait un combien de 17? D'un côté, une pointe de soumission malaisante. Alors, malaisante, tu comprends ça comme étant. Qu'ils aiment pas trop la position dans laquelle ils sont actuellement, mais ils exécutent les ordres qu'on leur a donnés. Donc ça, c'est la première partie que tu vois dans leur posture. Ensuite, tu remarques quand même dans les intonations une large envie de mépriser, dans les paroles, c'est le cas, de mépriser les gens de Fourquet. Voilà, et peut-être un petit peu plus que Fourquet, peut-être un petit peu plus de grand malinois dans l'histoire. Mais Fourquet, c'est sûr. Et je présume que si on vous aide, vous pourrez nous aider en retour. Bah, vous verrez ça avec le duc, mais nous ferons tout pour si vous nous aidez à. Bien sûr, vous donnez de l'argent ou autre chose si vous le souhaitez. Voyez-vous, j'ai besoin d'hommes pour défendre, d'armées. Oui, après, on en a. Hein. Enfin, pas beaucoup maintenant, mais on a. Alors, tu es toujours sur le 17 de perspicacité, il m'aura un peu quand il indique, mais quand ils disent qu'ils en ont pas beaucoup. Vous savez, il fut un temps, j'avais un petit Arbil. Arbil, c'était un vieux chenapan qui disait des demi-vérités, mais je voyais toujours quand il me mentait ou quand il disait pas toute la vérité. Et vous, Dored, je suis persuadé que vous avez un petit aride en vous. Mais on peut pas tout vous dire exactement, pas ici. Mais accompagnez-nous et on vous dira tout, mais on peut pas tout dire ici. Et c'est à ce moment-là que tu reviens du coup. Alors a priori elle est au courant, ça c'est ok, mais en fait la visite c'est la copine de votre duc. Quoi? Au château quai. Tu parles de la duchesse? Ben oui. Ah, il est pas au courant. Bah, du coup, ils ont un petit regard vers Rusty. Si, on est au courant.
Si, si, on aura parlé, bien évidemment. Okay. Donc en fait, vous venez ici voir le général pour qu'il vous aide à régler un problème avec le duc, mais de votre côté, vous allez voir le duc pour... Enfin, votre duc va voir le duc de Kay pour... Et il envoie sa dulcinée en mission, quoi. Allez, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de nous C'est... si vous envoyez votre duchesse négocier? Nous avons envoyé le chevalier Roland. La duchesse Lorinis n'était pas prévue dans l'histoire. Dans Elle a l'équation. décidé de. Elle n'était pas prévue dans l'équation, effectivement. Elle s'est invitée dans la forteresse du duc et je pense qu'elle a certainement dû être surprise de nous voir présents dans la place. Ce qui fait que ça cause quelques problèmes. Et qui renforce l'idée que. Et la joue pas honnête. Bref, si ce n'est pas le lieu pour tout nous dire, où c'est qu'on peut aller pour que vous puissiez tout nous dévoiler? Eh bien, vous cherchez des soldats. Visiblement, c'est plus ou moins acquis que vous allez nous aider dans nos requêtes. C'est pas Bah oui. parce que Harry De toute Lévy façon, je vais vient vous de dire un Kay. truc, si nous, dans mon pays, là, on a un duc qui fout la merde, alors qu'on est en pleine crise, il va aussi falloir peut-être faire le ménage chez nous aussi, en fait. Hein. Oh, Donc, certainement. si on ne si, si on, enfin bon, on fait pas le ménage comme ça non plus avec un duc, hein. Mais bon, voilà. Ça se fait normalement avec accord, même si c'est un accord tacite de la royauté, mais voilà, on décide pas de manière unilatérale de faire le ménage d'un duc. Mais si ça doit arriver, je pense que nos accords de bon voisinage avec votre duc à vous devraient s'en trouver améliorés, c'est ça? Bon bah, bien entendu, Et il sera donc, du coup, reconnaissant. les troupes, vos troupes manquantes qui n'existent pas, mais qui sont mobilisées pour garder un œil sur notre duc, qui foutrait un plus ou moins la merde sur votre, comment dire, de votre autoroute commerciale partagée, donc le fleuve qui sert de frontière, serait disponible pour être réaffecté à d'autres endroits, ça poserait pas de problème vu qu'il n'existe pas. Exactement. Vous avez tout compris. Ok. Rusty, ça te paraît viable comme plan? Si on arrive à les, comment dire, à libérer ces gens qui n'existent pas de leurs occupations actuelles? Bah, si ces gens qui n'existent pas vont aider le roi Skog, avec plaisir. Bon, ben, je crois qu'il va falloir aller à Forquet. Non? Non. Non, On va voir votre duc. oui, exactement. Et par contre, préparez-vous un petit voyage quand même, parce que du coup, nous allons à Shelbin, dans le Ah, mais Yelling. c'est où? Ok. C'est dans le Alors c'est Yelling. à quoi? C'est à quoi? C'est à gauche sur la carte, c'est ça? Exactement. Et À donc là, Shelbin. on irait à Shelbin. Shelbin. Okay. Et Forquet, c'est Et Forquet, c'est du tout coup, en bas. c'est ça, faire Forquet en fait. Non, c'est l'autre forteresse de l'autre C'est côté, plutôt de mais l'autre côté, ouais. voilà. Je te parle. Ah ouais, donc c'est la forteresse qui est en vis-à-vis, quoi, du coup. Ok. Exactement. Alors, on prend le fleuve pour voyager, je suppose. Le mieux, c'est de prendre le fleuve, effectivement. D'ailleurs, ils vous diront Cool. qu'ils ont un bateau qui est prêt à faire machine arrière. On va pouvoir manger du poisson. Exactement. Du coup, ce qui vous est proposé, c'est de remonter vers Castle Green. Voilà. Et ensuite de remonter par la petite route jusqu'à Lampealta et ensuite jusqu'à ce que
Et une fois à Castle Green, nous aurons des montures pour voyager. J'ai envie de dire, nous, on peut faire avec des montures, mais si vous voulez que le transport soit plus agréable, on peut aller par carrosse, enfin par carriole, quoi. Je regarde Mao quand il dit ça. Pour moi, c'est égal, hein. J'ai mon balai volant. Ben, dis donc, ça sera peut-être mieux pour les chevaux d'éviter de me porter si vous souhaitez avancer à vive allure. Ben, tu sais, c'est vrai qu'un cheval, ça se déplace plus vite qu'un bateau qui remonte le fleuve. Mais comment dire, un cheval, quand il a marché, quand il a voyagé pendant 6 à 8 heures, il a besoin de se reposer. Surtout que s'il a transporté sa propre nourriture, son cavalier, son équipement de guerre, parce qu'on est en guerre, hein, c'est pas du tourisme. Hein, les chevaliers, je suppose que vous êtes en armure, hein, en carapaçon et tout team, mais vous n'êtes pas. Enfin, vous n'êtes pas en équipement de première ligne de cavalerie lourde, mais je pense que vous êtes en cavalerie légère, un truc comme ça, quoi. Ou vous êtes des chevaliers à pied. Nous sommes chevaliers à cheval. La Ok. plupart du temps. Donc, comme dit, un cheval, ça, bon, il faut s'en tenir, il faut l'entretenir, il peut tomber malade, il peut, voilà. Alors que, un bateau, ça fatigue pas, en fait. Le balai volant, ça court pas, mon balai volant ne court pas. Par contre, dans l'absolu, je peux voler pendant 24 heures s'il le faut. Eh bien. Du coup, les moyens de déplacement les plus rapides sont pas toujours les plus évidents, en fait. Exactement. C'est la raison pour laquelle je vous donne le choix. Parce que nous pouvons aussi remonter l'Ithric jusqu'à l'Omphéalta. Et nous irons certainement. Alors, pour ma part, je n'ai jamais fait le voyage sur aucune des deux routes. Pour ma part, je ne connais pas du tout Alors, cette terre, donc donc votre pays, on peut aller vers Castle Green, ça me ferait une ville de plus à apprendre, à connaître, mais moi j'aime bien le poisson, donc le fleuve, ça me plaît bien aussi, hein. Bien, prenons le fleuve, puis un carrosse à la ville où on s'arrêtera. Vous avez des carrosses à disposition dans les deux villes? Oui, nous avons notre adresse pour les avoir. Ah, parfait, parfait. Maintenant, est-ce que le bateau, ça pose problème pour vos chevaux? Non, il y a des. Non, absolument pas. Nous, nous serons de toute façon à côté de ce carrosse pour être sûr que vous arriviez sain et sauf à Stébine. De toute façon, les chevaux seront attelés de trait pour tirer le bateau pour remonter le fleuve, je suppose. C'est une possibilité. Ils en sont capables. En tout cas. Nous avons quelques Oui, bien sûr. habitudes de temps en temps pour le faire de cette façon-là. Bon, je ne suis pas plus lourd à remonter le fleuve, en fait. Ça dépend des moments. Ça dépend aussi de quel matériel, quel bateau Après, vous si on veut êtes. être rapide, on remonte le fleuve sur la piste du train d'attelage. Donc la piste d'attelage des bateaux, on remonte le fleuve par cette piste-là. Ça risque d'être plus rapide pour arriver à Lampe-Alta, en fait. Du coup. Alors, de l'autre Plutôt que de côté, faire un détour par Castle Green. oui, alors Castle Green, ça fera quand même un sacré. Parce que, en fait, le fleuve, je pense que le fleuve, il est équipé, entre guillemets, de la possibilité d'atteler des bateaux pour remonter le fleuve. Et donc, cette piste-là, elle existe, en fait. Donc, tu peux la prendre à cheval, en réalité. Exactement. Rien que pour aller en bateau à Castle Green, alors si on fait tirer avec les chevaux, il vous faudra à peu près 16 jours.
Oui, mais bon, si on tire pas le bateau, là, à ce moment-là, les chevaux, ils se fatiguent pas autant, et ainsi de suite. Et on est sur donc un fleuve avec une pente douce. Alors, je n'exclus pas une cascade par-ci ou par-là, mais je veux dire, après, ça doit être certainement aménagé, soit par des écluses, soit il n'y a pas d'écluses, mais en fait, tu laisses ton bateau, tu changes de bateau, tu prends un escalier, tu grimpes en haut. Tu fais les 300 mètres de dénivelé, et puis en haut, il y a un autre mini-port avec d'autres bateaux pour continuer le voyage, quoi. Mais un fleuve comme ça, il doit être aménagé, je pense, effectivement. Alors je me suis trompé, c'est pas 15 jours, c'est pas 16 jours, ça sera 12 jours. Ensuite, le reste à cheval, donc ça vous fera 16 jours de voyage pour aller jusqu'à Sébine en passant par Catherine. Oui, et puis ça a l'air d'être beaucoup plus vallonné que là partout où il y a le fleuve. Le fleuve, ça a l'air d'être une grande plaine, en fait, parce que Bah. vois aucune gauche nulle part, et autre, quoi. Alors que si je prends l'autre chemin, un peu plus terrestre, je vois quand même, il y a une partie vallonnée ou collineuse. Il y en a même deux, trois, même. Donc là, c'est. Ah non, c'est plus long, c'est plus long en bas. Ok. En allant par l'éclipse, ça sera plus long. Parce qu'on est déjà à 16 jours de voyage en barque pour aller jusqu'à l'Empire. Donc, comme quoi. C'est vrai qu'après le fleuve, ici, il est aussi à gauche, à droite. C'est ça. Et puis, c'est le choix du Bon, cheval après, aussi. j'ai envie de dire aux chevaliers, c'est peut-être à eux de dire ce qui, d'après eux, est le plus rapide aussi. Non?